Bonjour à tous, bonjour à toutes. Petite vidéo comme ça. Me voilà de retour sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais cette année, je marche pas. J'ai commencé, mais je me suis blessé 200 km après. Alors j'ai dû arrêter. Puis j'ai décidé de prendre ma voiture et de retourner sur le chemin pour aider les pèlerins. Alors il faut que je fasse un message par rapport à ça. Parce que il y a quelque chose qui me rend profondément triste. Alors il faut absolument que je vous le dise. Sais pas si on m'entendra avec le vent qui vient. Ça me fait tellement de peine de voir des pèlerins sur le bord de la route qui boitent et qui marchent à une allure. Ils marchent vite. Et ils s'arrêtent pas. Ils s'arrêtent pas. Vous vous arrêtez pas, les gars. Vous vous arrêtez pas. Mais votre corps vous parle, bon sang, écoutez-le. Écoutez votre corps. Vos peurs, elles vous font faire n'importe quoi. Vos peurs, elles sont en train de vous dire, je dois arriver à mon étape. J'y vais, j'y vais. Il y a des gens qui sont là sur le bord du chemin pour vous aider. En l'occurrence, moi, je suis là. Et je vous vois passer à pleine charge. Et je dis, vous devriez prendre une pause, vous devriez écouter votre corps. Non, non, non. Et les gens, ils courent presque. Ils boitent et ils courent. Je leur dis, je peux vous apporter de l'aide, les gars, si vous voulez. Non. Ils ont peur. Vous ne vous arrêtez pas. Vous avez peur. Arrêtez-vous, bon sang. Si vous ne vous arrêtez pas, c'est votre corps qui vous fera vous arrêter. Il y en a qui boitent, ils ne peuvent plus marcher. Et vous êtes en train de presque de courir. Faut vous dépêcher à arriver parce que votre blessure, elle vous retarde. Alors faut se dépêcher pour arriver à l'étape parce que ça se trompe, on peut peut-être dormir dehors. Ça, c'est pas possible. Vous pouvez pas continuer comme ça, les gars. Écoutez votre corps, allons. C'est votre corps qui vous mènera au bout. C'est pas votre tête. Vous n'allez pas écouter votre corps. Vous allez vous blesser, mais très gravement, encore plus gravement. C'est pas sérieux, ça. C'est pas sérieux. Respectez votre corps, pour l'amour de Dieu. Respectez votre corps. Écoutez-le. Il vous parle. Il est en train de vous dire, hey, tu crois pas que tu vas trop vite? Hey, attends, t'as un truc à faire ici, là. Fais une pause. Hey, je te parle. Hey, ça fait 7 heures que tu marches, t'as pas fait une pause, tu te dépêches, j'ai pas assez d'eau, j'ai besoin de repos. Non, vous écoutez pas, vous écoutez vos peurs. Arrêtez-vous un instant. Le message est le chemin est truffé de messages. Et il est truffé de magie. Et je fais cette vidéo parce que j'étais profondément attristé. Je suis sur le bord du chemin, là. Et il y a un monsieur, je le vois. Il y a une espèce de ligne droite, on la verra pas là. Mais il y a une espèce de ligne droite là-bas. On les voit arriver de loin. Elle fait peut-être quoi? 3 km de long. Je le vois arriver depuis là-bas. Et je vois, il boite. Et je vois, il marche vite, vite, vite. Je l'ai vu arriver. Je l'ai senti. Je dis, mec, il va falloir que tu l'aides. Et bien, il est passé. Je lui ai parlé en anglais. Je sais pas pourquoi je sentais que c'était un anglais. Je lui ai dit, je t'attendais. Et il retire son écouteur et je vois, il s'arrête pas, il continue. Et il me dit, pardon, je dis, je vois, je t'attendais. J'ai un message pour toi. Ah oui, d'accord. Il continue à marcher. Je dis, mais arrête-toi, arrête-toi. Tu as une douleur quelque part. Il me montre l'endroit et il continue à marcher. Et je dis, si tu veux, je peux t'aider, je peux soulager ta douleur. Je suis là pour ça. Et il me dit, je dois y aller. Je lui dis, tu devrais écouter ton corps et faire une pause. Non, j'y vais. Ça me fait tellement de la peine. Il m'aurait écouté. Il serait reparti sans aucune douleur. Ça me fait de la peine. Il va comprendre plus loin.
Parce que juste après, je suis revenu et je l'ai vu, il est assis sur un banc. Et allez, je saisis l'opportunité, j'y vais. Je retourne, je tends une deuxième fois la main. C'est ça les actes divins qu'il y a sur le chemin. Je ne prétends pas être Dieu. On l'est tous. On l'a tous en nous. C'est juste Dieu qui me met des mots dans la bouche. Et je laisse ça sortir pour le donner aux gens. Et j'ai été le voir, qui est assis sur un banc. À 10 mètres, il m'a vu arriver, il a pris son sac, il s'est relevé, il est reparti. Il avait peur. Mais arrêtez d'écouter vos peurs. Sortez, libérez-vous de vos peurs, pour l'amour du ciel. Personne vous veut du mal. J'aurais pu l'aider. Qu'est-ce qui va se passer? Il a repris la même allure, il boitait. Il est parti. Là, ce qui va se passer, c'est que son corps va l'arrêter. Quelques kilomètres plus loin. Ou demain, il ne pourra plus du tout marcher. Et voilà. Et il va dire, ah ouais, je suis obligé d'arrêter le chemin, je l'ai pâté jusqu'au bout. Ah ouais, mais mec, t'as tellement eu des signes. Ton corps, il t'a tellement donné de signes. T'as pas voulu l'écouter. Mais pour l'amour de Dieu, on vous a donné ce corps. Respectez-le. C'est lui qui vous emmène au bout, pas la tête. Votre corps est un carrosse. On va faire un dessin. Votre corps est un carrosse. Le carrosse, la carcasse, représente votre corps. Les quatre roues représentent vos quatre membres. Les chevaux représentent votre énergie. Elle vous permet d'avancer. Le cocher, c'est lui. C'est lui qui dirige les chevaux. C'est l'instinct de survie. C'est lui qui évite les dangers. C'est... Il sert qu'à ça, lui. Et dans le carrosse, il y a le roi. Le roi, c'est lui. C'est lui. C'est le cœur. C'est pas le cocher qui décide où va le roi. C'est le roi qui décide. Tiens, cocher, aujourd'hui... Et tiens. Tiens, cocher, aujourd'hui, tu vas là. Et le cocher s'exécute. Le cocher, il dit, bon, ben ok, hop, instinct de survie, je regarde où je vais. Hop là. Mais c'est le roi qui décide. Si le roi parle, eh, j'ai mal, arrête-toi. Non, non, on y va. Ça va pas, les gars. C'est pas comme ça que ça marche. Écoutez votre corps, bon sang. Il vous remerciera. Si vous l'écoutez pas, là, vous allez avoir des douleurs, encore plus. Vous tomberez malade. Votre corps vous parle. Votre cœur vous parle. N'écoutez pas la tête. Il faut absolument que les gens se réveillent à ce propos. C'est plus possible, ça. Libérez-vous de vos peurs, pour l'amour de Dieu. Et reliez-vous. Reliez-vous. Il faut simplement se relier. Reliez-vous à quelque chose de plus grand. Quand vous avez mal, demandez quelque chose. Et ça viendra. La preuve, je l'ai vu en peine. J'étais en voiture, j'allais me poser à un endroit, je l'ai vu. Il faut absolument que je m'arrête. Il faut que je lui apporte de l'aide. Il ne peut pas continuer comme ça, sinon il va s'arrêter. Comment il boitait, mais je vous assure, c'était horrible de voir ça. Ça m'a tellement fait de la peine qu'il ne s'écoute pas et qu'il continue. Alors quoi? Alors, ce message, il me tient vraiment à cœur. Je veux vraiment que les pèlerins qui font... décide d'entreprendre le chemin, écoute attentivement ce message. Écoutez votre corps, pour l'amour du ciel, respectez votre corps. C'est ça, sa portée de l'amour. L'amour de soi, ça commence par là. Écoutez le corps. Bah, lui vous fera toujours faire des bêtises. Il vous amènera toujours dans des endroits où il ne faut pas. Le cœur, lui, il vous guidera toujours au bon endroit. Si vous écoutez les peurs, ça peut pas aller. Parce que derrière une peur résolue, une autre apparaîtra. Parce qu'une peur amène toujours à en vivre une autre, une nouvelle. La peur, elle est nécessaire pour préserver le véhicule terrestre, pour préserver qui on est, pour préserver le corps physique.
Mais quand elle dépasse les limites et qu'elle devient obsessionnelle, elle n'a plus sa raison d'être. Recentrez-vous, 2 secondes. Par pitié, écoutez votre corps. Reliez-vous. Mais... pourvu que cette puisse, cette vidéo, vous éveiller. C'était une vidéo spéciale chemin Saint-Jacques de Compostelle. Je suis un peu partout sur le Camino Frances en ce moment. Voilà. Bisous à tous et que Dieu vous guide et vous bénisse. Il n'y a rien de religieux là-dedans.